Hello les filles, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je suis super contente, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Alors comment dire, celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que mon fils était très malade. Donc après mon fils a été ma fille, et ça l'est toujours d'ailleurs. Donc voilà, je reviendrai plus en détail sur le sujet quand ma fille sera guérie. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. Je vais vous faire cette fois-ci une vidéo sur mes favoris novembre-décembre. J'ai pas pu filmer novembre parce que mes enfants étaient malades. Donc je vais faire novembre-décembre. Les deux, on va combiner. Donc voilà, si vous me voyez hyper maquillée en mode paillettes et strass et tout, c'est parce que je viens de faire une vidéo. Je sais pas si je vous la posterai avant celle-ci ou après celle-là, ou après cette vidéo, pour, les fêtes. Plus particulièrement... le nouvel an, parce que bon, bah, j'ai pas pu faire avant, donc voilà, ça sera des coiffures rapides quand on n'a pas le temps d'aller chez le coiffeur et qu'on veut se coiffer rapidement, et maquillage, donc voilà. Alors sans plus tarder, on va commencer. Pour le corps et cheveux, j'ai combiné les deux catégories, voilà. L'huile d'argan, huile 100% naturelle enrichie en vitamine E de chez Miss Eden, voilà, c'est un produit comme ceci. Alors ce produit, il faut savoir qu'il fait tout en fait. Vous pouvez l'utiliser pour les cheveux, pour le visage, le corps, tout quoi. Et franchement, il est trop bien, j'en suis déjà à ma deuxième bouteille, ma mère aussi, elle est abonnée à cette huile. C'est juste une tuerie terminée, c'est vraiment un canon. Et franchement, je crois que je l'avais pas payé cher, je l'avais payé dans les 2,99€. Et voilà, franchement, je m'en lasse plus, c'est vraiment un super produit. Je parle pas très fort, c'est parce qu'il fait hyper nuit, il doit faire une heure, il doit être dans les environs de 23h je pense. Et donc voilà, je fume de nuit parce que mes loulous ils dorment, j'en profite. L'huile de palme de chez Leonard Grey, je crois que je vous l'ai déjà présenté des millions de fois cette huile, c'est juste une huile de folie pour les cheveux, c'est... Voilà, franchement les filles, voilà quoi. En plus je vous mettrai le lien... en barre d'infos sur beauté privée, souvent ils l'ont, et pour un prix dérisoire, genre 12 ou 13, peut-être, voire même des fois 11€, franchement ça vaut hyper le coup, faut pas hésiter une seule seconde. Crème de chez The Body Shop qui est une tuerie, elles sont trop bonnes, c'est une tuerie, elle hydrate hyper bien, c'est fou, voilà, en plus elle est énorme, elle fait 350ml, c'est une tuerie, c'est la Hawaiian Kukui Crème. Mais franchement les filles, n'hésitez pas sur cette crème, c'est une tuerie folle furieuse. Je m'en passe plus, franchement elle hydrate mon corps et en plus ça fait pas l'effet collant que je déteste dans les crèmes. Et bah ça elle le fait pas et franchement, c'est une tuerie quoi. Non mais... Ah. Une crème pour le visage de chez Lierac que j'ai reçue, la marque me l'a envoyée. Et que vous dire? Ouais bon voilà, vous connaissez la marque Lierac, je pense que c'est... Mais voilà, mais cette crème, c'est la Hydrageniste Gel Crème Hydratant Oxygénant Repulpant. Non mais, jamais j'ai testé une crème comme ça, franchement, pourtant j'en ai acheté des crèmes. Donc voilà, franchement j'étais super contente quand la marque me l'a envoyée, puis je me suis dit j'allais la tester, etc. Et franchement, non mais... Oh. Elles sont trop bon en plus. Donc voilà, en fait c'est une crème qui fait vraiment un effet gel crème, c'est vraiment ça en plus. Et vraiment, mais vraiment, quand vous la mettez sur votre visage, il y a une fraîcheur et après votre le fini de votre peau est poudré quoi, j'ai l'impression que c'est poudré. Et je l'ai même fait essayer à ma mère et franchement elle en est raide dingue, elle m'a dit ouais je peux l'acheter où et tout. Donc voilà, et franchement c'est une tuerie, franchement. Dès qu'elle est terminée, je vais courir me la racheter parce que elle est, voilà, elle fait un effet très rafraîchissant sur le visage. C'est quelque chose de très très agréable. J'avais encore jamais testé une crème aussi refroidissante pour le visage. C'est vraiment, elle donne un effet fraîcheur. Et après, en fait, moi, ce que j'aime, c'est le fini. Le fini, en fait, quand vous le touchez après la peau, vous avez une peau toute douce. On dirait qu'il y a de la poudre dessus. C'est, waouh, en gros, coup de cœur. Oui, coup de cœur. Make-up. Donc voilà. Je n'ai pas grand chose à vous présenter. Mes favoris, bah, ça a été le Born This Way de chez Too Faced. Voilà, c'est celui que je porte actuellement, celui avec lequel j'ai fait la vidéo. Et voilà, franchement, j'ai même pas besoin de vous en parler plus que ça parce que je pense qu'il a fait fureur sur Facebook. Ça se voit que c'est le soir. Enfin bref.
Il a fait fureur sur YouTube et voilà, les gens ont fait plein de revues. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait pas énormément de revues, tout simplement parce que je trouve que toutes les filles en font. Et elles font beaucoup sur les mêmes produits. Donc c'est vrai que j'essaye de faire des revues sur les produits. Je vais essayer d'en faire plus parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'abonnés qui me demandent fais des revues. Et je vais vraiment essayer d'en faire beaucoup plus. Et je vous promets les filles. Promis. Donc voilà. Le Bondi Sway, moi je l'ai en teinte sand. C'est la teinte un peu pour les peaux mates. Franchement je le kiffe et je le surkiffe. Et voilà. Il est claquant. Voilà. Fix Plus de chez la brume fixante Fix Plus de chez MAC qui est j'ai même pas besoin d'en parler, c'est vraiment le truc, faut pas, on s'en passe plus en fait, c'est le truc qui va vous fixer le make-up pour toute la journée, c'est celui qui va intensifier vos fards à paupières, c'est celui qui va vous coller les paillettes sur les fards, c'est tout cette chose là. On a l'impression que c'est rien, mais en fait c'est tout. C'est le tout. C'est le tout d'une vidéo quoi en fait. D'une vidéo. D'un make-up. Enfin voilà. En plus franchement bon, pour le prix, je trouve que ça coûte pas excessivement cher. Je crois que je l'ai payé dans les alentours de 15 euros, un truc comme ça, 15,50 chez MAC. Et franchement voilà quoi, les filles, il faut avoir ça quoi. Dans son make-up, il faut avoir ça. C'est logique. Mascara de chez Too Faced, je l'avais reçu dans une glossy box et j'en ai toujours, c'est vraiment hallucinant. C'est mon mascara de tous les temps, je ne mets que celui-ci et franchement c'est une tuerie. Dès qu'il se termine, je cours le racheter parce qu'il fait un volume, c'est juste choquant quoi. L'highlighter que ma petite chérie Samia d'amour m'a offert, c'est le Super Shock Chic. Alors c'est le Avalon de chez Colourpop et franchement, c'est la première fois. Depuis qu'elle me les a envoyés, c'était la première fois que je découvrais cette. J'avais entendu parler, mais je l'avais jamais utilisé parce que ça s'achète aux États-Unis et j'ai pas Shipito. Enfin, je me suis jamais lancée sur Shipito et d'ailleurs je ne sais même pas comment ça fonctionne. J'ai essayé une fois, je crois, de m'abonner et j'ai lâché l'affaire direct. Donc voilà, et ma petite chérie d'amour, elle m'a envoyé ça avec un blush, etc. Mais cet highlighter, waouh, je vais vous faire un swatch, vous allez halluciner. Déjà, ça a un effet, mais on dirait il est crémeux. Je sais pas si vous voyez bien. Et waouh, franchement, les filles, c'est des. Vous avez vu la pigmentation? Il n'est pas de beau. C'est une tuerie, franchement, c'est une tuerie. Et voilà, c'est la marque Colourpop. Et franchement, et apparemment, ça vaut même pas excessivement cher ces choses-là, mais. Tuerie folle furieuse, c'est vraiment une. Oh là là, moi en tout cas, c'est un de mes highlighters préférés de tous les temps. C'est celui que je porte d'ailleurs. Voilà. Le kit de sourcils de chez ELF. Voilà, c'est celui que j'utilise tout le temps. C'est le plus foncé, je crois, c'est le dark. Bah voilà, c'est le dark. C'est le plus foncé et franchement, bah voilà. Moi je m'en plains pas, il est très bien, il coûte que dalle, il coûte dans les 4 euros, je crois, 4 euros je crois. Et voilà quoi, ça vaut rien et c'est juste une tuerie. C'est en plus voilà ce que j'aime bien chez ELF, c'est que c'est vraiment fonctionnel. Vous avez le petit miroir ici, une cire plus claire, une cire plus foncée. Et voilà, franchement, je l'ai depuis trop longtemps. Et voilà, franchement, il met hyper longtemps à s'utiliser. Et voilà, ELF, franchement, pour commencer le make-up, c'est juste canon. Moi d'ailleurs, pour commencer et même actuellement je commande toujours chez eux et j'aime beaucoup cette marque. C'est une marque vraiment très très accessible. On n'a pas besoin de déposer des 1000 et des 100 pour avoir des maquillages. Il y a même des pinceaux à 1€. Donc voilà, j'aime beaucoup cette marque. Highlighter de chez Elisense qui est un highlighter feutre. Faut savoir que moi je suis une fanatique des gels, des highlighters gels. Et c'est vrai que moi les fards j'étais pas trop fan. Mais franchement, il a changé une vie ce truc. C'est la marque Elisense qui me l'a envoyé. Mais ça a changé une vie. Rendez-vous compte. La meuf, la Marseillaise. Non, sérieux. Non, la vérité. Depuis que je l'ai, je n'utilise que ça. Franchement. Lol. Non, franchement, je sais pas, je vais vous le tester. Vous allez voir, je vais vous. Il est
mais choquant quoi. Il est vraiment tout noir, il a une facilité. Bah, c'est celui que j'ai utilisé, d'ailleurs je l'ai utilisé dans la vidéo make-up de fête. Waouh, il est, enfin, il glisse sur la paupière, c'est vraiment un truc de folie quoi. Ça glisse vraiment sur la paupière, ça marque tout de suite, il n'y a pas besoin de passer 10 milliards de fois pour avoir une... Non, c'est tac, on fait un trait, c'est noir quoi, il n'y a pas de truc, il tient hyper bien. En plus, il est mat, magnifique. Magnifique, et franchement, waouh, moi franchement j'avais hésité à le prendre, et puis en fin de compte, la marque elle me l'a envoyé, et ben, j'ai rien à dire. Franchement, c'est une tuerie cet highlighter. Vous savez très bien que je suis transparente avec vous. Si j'aime pas, j'aime pas. Si j'aime bien, j'aime bien. Et ça, ils me l'ont envoyé. Et franchement, bah, je m'en lasse pas. Et quand il sera terminé, j'irai me le racheter. C'est automatique. Et j'irai même tester d'autres feutres, d'autres marques. J'avais entendu le Maybelline qui était pas mal apparemment. Et bah, franchement, je vais courir me l'acheter parce que c'est vrai que bon voilà quoi. J'étais pas trop fan des feutres. Je sais pas pourquoi. Il y avait un a priori dessus. Puis en fin de compte, je me rends compte que bah, c'est débile d'avoir des a priori, il faut tester. Donc voilà, en tout cas, celui-ci, c'est une tuerie et je m'en lasse pas. Et vraiment, je le terminerai jusqu'à le saigner, quoi. Ensuite, je vous présente un pinceau qui est le F25 de chez Sigma, qui est un pinceau boule comme ça pour le teint. Et franchement, c'est juste une tuerie. Il est canonissime. Je l'avais eu dans le kit de Extravaganza. Le kit de Sigma sur AliExpress, d'ailleurs je vous en avais fait une revue, first impression, et franchement, voilà quoi, il est lavé et relavé et relavé, et il a jamais bougé quoi, il est toujours aussi doux, il a jamais perdu un seul poil, et franchement pour réchauffer le teint, c'est juste une tuerie. Franchement moi, je ne regrette pas mon achat, vraiment. Donc voilà, celui-ci je le surkiffe, c'est une tuerie. Vernis. La catégorie vernis, j'ai pas beaucoup de vernis à vous présenter, j'en ai 3. Donc j'ai le Velvet Satin de chez Kiko, qui est un semi-mat. C'est le numéro 695 en couleur un peu gris. Gris souris. Ouais, gris clair, je dirais. Gris parme. Donc voilà, franchement, celui-ci c'est une tuerie. J'ai rien à dire de plus dessus. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup porté ces 2 derniers mois. Et voilà. Un de chez The Beautist by Babyliage, qui est comme ceci, je vous en avais déjà parlé, qui est une tuerie. C'est un nude à l'état pur. Il est magnifique. Il a une tenue de folie. Franchement, je le kiffe. Il est super beau. Et voilà. Le Marc Jacobs, qui est la couleur Secret Love, le 108, qui est, je sais, on voit pas bien à la caméra, mais en fait c'est une couleur aubergine, violet très foncé, et franchement voilà, j'aime pas le pinceau, j'aime pas la tenue, mais la couleur est juste sublime, et c'est vrai que je l'utilise quand même. Donc voilà, il devrait se remettre en question, Marc Jacobs, la marque Marc Jacobs, surtout sur les pinceaux qui sont très très fins, et la tenue elle est juste bidon quoi. Franchement, peut-être, ouais, je le mets pour une journée généralement celui-ci, hein, pas plus. Mais c'est vrai que bon, je le mets dans mes favoris parce que je l'ai beaucoup porté, j'aime beaucoup la couleur. La couleur en fait en elle-même, je la trouve super belle. C'est-à-dire parfum. Avant toute chose, j'ai le parfum Lolita Limpica qui sent trop bon. J'ai même pas à vous le dire, la pomme, c'est juste waouh quoi, elle est magnifique cette odeur. Ça sent trop bon, et puis voilà, vous la reconnaissez parmi 10 000 parfums. Dès qu'on sent l'odeur, on sait que c'est Lolita Limpica. Et voilà, bah, je l'aime beaucoup. En plus, c'est un cadeau de ma maman. Oui, je sais, ma maman m'offre beaucoup de parfums. Donc voilà, et voilà, tu ris, j'ai rien à dire, c'est un canon. Petit coffret comme ceci de la marque Reload, qui m'a été parvenu par la marque, et franchement, ça a été un coup de cœur. Mais vraiment, ça a été vraiment un coup de cœur. En plus, pour celles qui ont des cadeaux de Noël en retard, ou des filles qui veulent faire des cadeaux d'anniversaire, ou des cadeaux de maternité. Donc voilà, franchement, ça, c'est juste une tuerie. C'est un coffret comme ceci. Hop, je vais lire. Voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, je vous ai expliqué ce que c'est. C'est un vaporisateur de sac, tout simplement. Qui se présente comme ceci, il est juste magique, il est magnifique, c'est un bijou de sac quoi, franchement c'est un bijou de sac, et en fait vous mettez, attendez je vais l'ouvrir, voilà, vous avez la petite recharge de parfum,
que vous mettez dedans et vous fermez le petit chose et hop, il est prêt à l'emploi direct. Et franchement, je surkiffe ce truc là, ça c'est trop classe, c'est trop bien quoi. On n'a pas forcément envie de prendre la bouteille 100 ml dans la poche. Voilà, donc la marque m'a fait parvenir avec un petit chargeur ici. Avec deux parfums de recharge qui est Ma vie pour femme d'Hugo Boss et la marque le Kenzo Jeu d'amour. Voilà, et franchement, moi là j'ai mis Ma vie de chez Hugo Boss et c'est une tuerie, je ne connaissais pas ce parfum. Il sent hyper bon, mais vraiment, il sent super bon. Ensuite, vous avez, moi, ils m'ont fait parvenir également une deuxième coque comme ceci, argentée. C'est juste une tuerie quand on va dans les mariages ou en soirée ou etc. On change la coque, on met celle-ci et ouais, ça devient le vrai bijou du sac à main. Donc voilà, franchement, j'ai rien à dire, c'est une tuerie ce truc-là. Vous pouvez interchanger les coques. Après chaque utilisation de chaque parfum, vous pouvez utiliser un... Comment ça s'appelle ? C'est un nettoyeur pour le vaporisateur en lui-même, donc c'est hyper hygiénique en plus. Et enfin, franchement, moi je connaissais pas du tout ça. Et franchement, j'ai surkiffé. C'est une tuerie. Oh, j'allais dire bordel. Pardon. Non, franchement, c'est une tuerie ce truc. Et la vérité, c'est juste waouh. Franchement, en plus, j'ai regardé les prix un peu. Ce truc là, ça vaut 19,90. Je trouve pas ça excessive. Et chaque recharge de parfum, comme Kenzo, etc., 5€. Voilà quoi. Et je trouve vraiment que c'est pas cher pour de vrai. Et voilà. Et vous avez même une recharge qui est comme ceci. Vous avez cette recharge là avec le petit entonnoir. Et en fait, ça, c'est pour votre parfum perso. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie d'acheter ces petites recharges là, il n'y a pas de problème. Vous voulez votre parfum, et bien vous rechargez votre parfum dans un petit récipient là. Et après, vous avez votre parfum dans votre sac à main. Waouh! Franchement, je suis choquée, moi. C'est un truc, c'est révolutionnaire, ce truc-là. Je trouve ça trop bien. Il y avait les petits trucs, mais au moins, vous savez, ça existait. Hein, ça existe depuis toujours, les petits trucs où on recharge. On est obligé de dévisser le gros nœud de parfum. On fait couler la moitié à côté. Après, dans le sac, ça coule. Ça rouille. Enfin, des grosses galères, quoi. Et en fin de compte, on le fait même plus parce que... Depuis le temps, ça marche plus quoi, c'est vraiment bidon, ça fait vraiment cheap, ça fait plastique, etc. Mais ça, waouh quoi, c'est révolutionnaire. Depuis que je l'ai, je le mets dans mon sac. C'est waouh. Franchement, des fois avec mes enfants, voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête en place. Et quand je sors, j'oublie de me parfumer, mais hop, dans le sac à main. Oh, c'est trop bien, franchement, je suis... Red Love de cette chose là, tout en sachant quand il est actuellement chez Nocibé. Moi je vais retourner, je vais aller chez Nocibé, je vais essayer de me prendre d'autres parfums parce que franchement des fois j'ai pas forcément les moyens de m'acheter des parfums grand prix, c'est à dire mettre 40-50€ dans un parfum. Je les ai pas forcément, en plus souvent quand j'ai envie d'essayer des nouveaux parfums, j'ai pas. Donc enfin, je peux pas acheter 10 000 parfums quoi. Tout en sachant que il y a les petites réservoirs, voilà, donc je peux mettre allez, 5 recharges, 25€, j'ai 5 parfums différents en fait. Tout en sachant que quand vous parfumez, vous parfumez pas une fois. C'est je sais pas, ça fait combien de temps que je laisse tout là, ça fait. Ouais, c'était un bon 10 jours quoi. 10 jours, je me parfume avec ça. Bon voilà, après, faut pas se mettre la dose de la tête aux pieds. Voilà quoi. Moi, tu sais, c'est bon quoi. 2-3 sprays. Et voilà, ça fait presque 10 jours j'y suis. Et attendez, je vais essayer de retirer. Je sais même pas comment. Voilà. Voilà. Vous voyez le truc ou pas? Je sais pas si vous allez bien voir, mais. Ce truc, c'est révolutionnaire. J'ai surkiffé. C'est mon coup de cœur de tous mes favoris. Là, c'est ça mon coup de cœur. C'est mon. Coup de cœur. Et en plus, franchement, quand vous voulez faire un cadeau, c'est juste canon, quoi. La vérité. Je sais que j'ai des copines, à bientôt, c'est leur anniversaire. Ça sera ça, je pense, le cadeau. Parce que j'irai me l'acheter à Nocibé, parce que... Voilà. Voilà, c'est trop bien. Franchement, c'est trop, trop bien. Et donc, voilà. Et voilà, franchement, je vous dis, c'est vraiment... c'est pas des prix excessivement chers, ou je sais pas quoi. Tout en sachant que, ok, vous le payez 20€ la chose, mais vous le gardez à vie.
Donc c'est vrai que c'est juste, en plus c'est trop mignon comment c'est présenté, etc. Je trouve ça hyper joli. Et donc voilà, c'est vraiment mes favoris du mois de novembre-décembre. C'est vraiment des choses que j'ai vraiment utilisées régulièrement. Voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous et bonne fête de fin d'année. J'espère que l'année à venir sera meilleure que celle-ci. Et gardez le smile, c'est important. Je vous aime d'amour, ciao ciao. Voilà, vous avez juste à le dans l'œil. C'est pas grave. Vous avez juste à le rentrer et puis voilà quoi, c'est une chose.